Ok. Et voilà. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à préparer un cordon bleu. Calmez-vous. Eh ouais, c'est pas bon les cordons bleus. Je vais vous apprendre à préparer un caca. Moi je vais en faire un en direct, en live, avec vous. Et même pour moi ça va être une première, parce que j'ai jamais fait caca. Alors si je le loupe, vous le louperez aussi. Mais bon, tout faire pour que ça marche. Ok, vous êtes lavé les mains, vous avez affûté vos couteaux, vous êtes abonné. Alors on va pouvoir y aller, caca au four. Une... Et avant de commencer, préchauffez votre four à 180 degrés. Attention à vous ! La liste des ingrédients est bien sûr en description. Là, j'ai pris un suprême de merde. Classique, hein, on peut prendre aussi un subus. Alors là, je tape mes suprêmes. Bon, c'est bon, il est mort. Elle va plus bouger. Alors, on pourrait utiliser, pour se simplifier la vie, du papier quai, hein, pour enrouler mon caca. Là, dans une démarche écologique, on unit ta mère sur Instagram avec le hashtag programme unit ta mère. Je mets mes merdes dans la farine, ensuite je passe dans les œufs et ensuite on met dans la chapelure. Voilà, ça fait un gros tas de merde. Donc là, je prends une casserole, de l'huile, un peu de beurre. Alors le feu, pas trop chaud, hein, pour que le beurre brûle. Voilà, il est bien brûlé. Et là, je vais rajouter mes escalopes, mes caca, pardon. Que la poêle soit brûlante, ok. Et ensuite, on va le laisser 180 minutes au four à 180 degrés. Superbe. Et voilà, deux magnifiques caca fait maison. Vous voyez, même moi, j'ai réussi. Sans papier, ok. Eh bien, écoutez, j'ai apprécié ce moment avec vous. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, eh bien, allez vous faire même. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, ben... Je vous emmerde.